Eh bien, salut à tous les gamers, c'est Redon Snow et on se retrouve pour un nouvel épisode de Final Fantasy XV. J'espère que vous allez bien. Alors, lors du dernier épisode, on s'est séparé de Gladio et on allait vers le bois de Stélif. Et maintenant, on va y aller tout de suite. Alors, on voit d'anciennes ruines. Oh, dis donc, ouais, c'est pas mal. Donc, c'est là-bas, donc on va appeler Chuck. Salut mon petit Chuck, t'es où? Allez, hop. Il est là, voilà. En douceur. What? Ouah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es attaqué à mon Chuck, toi, espèce de tarba! Bon, j'ai l'impression que je peux pas aller avec Chuck parce que sinon on va se faire attaquer tous les deux secondes. Bon, c'est pas grave. On va y aller à la méthode de la téléportation. Hein. Pas le choix. Je viens de voir un gros truc là. Je sais pas c'était quoi, mais... Oh! Vous l'avez vu comme moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Un poulet géant! Les amis, soyons prudents. Un poulet géant! Tu t'es défoncé là, non? Je vois pas pourquoi tu... Rigolé! Moi non plus. Attention! Wow, y'a trop de monde là. Regarde ça. Je suis obligé de me régénérer. Je crois qu'il est empoisonné. Oh, on dirait bien qu'il s'est fait empoisonner. Je suis avec une épée de glace moi. Merde. Ah, ils ont pas l'air d'aimer en tout cas. À mort le poulet géant! Là, attention! Voilà, c'est bon! J'aimerais bien. Oh merde! Il y a trop de monde! Tu dépasses les bords. C'est visé. Il est où là? Il en manque un. Belle performance là. Merci. Oh aïe 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 aïe, mais il y en a trop. C'est quoi ces poulets là? Adieu. Oh et merde, maintenant voilà les impériaux. Allez, finis-les là. Cette fois, la peur va changer de camp. Vas-y, on recommence. Cette fois, la peur va changer de camp. Vas-y, recommence encore. Cette fois, la peur va changer de camp. Ça suffit. Yes, voilà. Waouh! Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est déjà si tard. Bah ouais! Vite quand on s'amuse. Grave! Putain, il y a eu trop de monde là, c'est incroyable! Wouh! Et on a réussi à gérer à 3! Aïe aïe aïe! Hop, on coupe, on coupe, on coupe. Par là, par là, par là. Donc ça y est, donc on arrive aux ruines! Dites. Vous croyez que Gladio va bientôt revenir? Bah j'espère moi aussi. Déjà savoir ce qu'il est en train de faire. Tiens, 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 regardez qui voilà. Là l'autre connard. Je te sens tellement Monsieur, pas. Quelle agréable surprise. Ouais, Ardine, ouais. Allez, qui voilà? Bah ouais. L'armée impériale est ici, restons donc ensemble. Pardon? Mais oui, avec moi vous ne risquez rien. Bien, allons-y. Je vous conseille de ne pas trop vous éloigner. Ce ne ferait que provoquer les soldats impériaux. Et à trois, vous ne faites vraiment pas le poids. Tiens, vous êtes bien calme. Nous n'avons rien de particulier à dire. Vraiment? Et si nous parlions de la raison de votre visite? J'imagine que vous êtes ici pour Dumitril. Mais comment il sait? Évidemment. Le mithril est un minerai tellement précieux
À tel point que l'Empire envoie son armée pour garder l'accès aux ruines. Mais tu vas nous en donner. Hein ? Quelle idée farfelue. Et par-dessus le marché, il est radin. Je pense juste qu'il vaut mieux vous en occuper vous-même. Vous ne croyez pas ? Putain, mais alors toi ? Ils m'attaquent pas, les mecs ? Tiens. Je vais vous demander d'attendre quelques instants. Mais qu'est-ce qu'il a en tête encore ? C'est la gonzesse du dernier épisode. C'est bon, venez. Arina, ah, la v'là celle-là. Alors c'est vous qui voulez entrer dans ma troupe. Les petits bleus qui ont besoin d'entraînement. Le prince Noctis et sa suite. On va essayer le groupe choisir. Oui. Prompto. Du calme. La politique ne m'intéresse vraiment pas, les bleus. Et je me fiche complètement. Mais c'est toi qui nous a attaqué la dernière fois. Vous êtes prêt pour la mission ? Quoi ? Tu oublies ton entraînement ? Certes, je suis payé pour vous escorter. Mais restez tout de même sur vos gardes. Arena rejoint le groupe en tant qu'invité. Vous pouvez ni utiliser la voiture, ni pêcher pendant qu'elle vous accompagne. Bon. Amusez-vous bien. Commandant Aranea, je vous les confie. Ah, je le sens pas, celle-là. Trouver du mithril. Vous n'allez rien trouver ici. Si vous voulez entrer, il y a intérêt à être patient. Oh, je le sens tellement pas. Oh, même le menu principal, il a du mal à s'afficher. Et on peut voir au moins son équipement. Ouais, donc elle est avec... avec à la lance, elle. Elle est niveau 48, comme nous. Ah non, plus que nous, putain. Ah, elle a pas de défense, hein. Et sinon... Actionneur électrique, bouclier classe... Ah merde. Bon, ça c'est pas grave. Armure du dragon, allez. Ouais. Bon, bah tant pis, hein. À quoi pouvait bien servir cet endroit ? On va y aller. T'as une idée, Ignis ? Aucune. Je me demande bien ce que sont devenus les habitants. Pourquoi vous n'entrez pas pour les chercher ? Je vois pas d'entrée. En tout cas, pas à cette heure-ci. Mais où est-ce qu'elle peut bien être, cette entrée ? L'Empire l'a bien cherchée, aussi. Il suffit d'attendre la nuit. Ah bon ? Ah bon, bon. Bon, bah, je vais faire un petit cut en attendant la nuit. A tout de suite ! Eh bien, re les amis, je suis vraiment désolé. J'ai eu un petit problème d'enregistrement. Donc malheureusement, la partie où je suis dans le dojo et tout ça, bah, vous ne l'aurez pas. Je suis vraiment désolé, mais je vais vous faire en gros. En fait, le temple, on est sous la mer, sous un lac. Donc on a réussi à chercher le minerai de mithril en compagnie de Aranea. Pardon. Et maintenant, on doit aller retourner à l'Estalum, parce qu'apparemment, il y a un petit problème à l'Estalum, il y a une coupure de courant. Donc on va y aller tout de suite. Vous allez à l'Estalum ? Je vous dépose là-bas alors. Ouais, ouais, je veux bien. Bon, vous êtes prêts ? Oui, c'est parti. Ouais. Alors franchement, je suis vraiment désolé, alors, ça me fait parti. Chier. Oh, regardez ! Je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est pas enregistré comme je voulais. Donc toute la partie dedans, bah c'est un peu foiré. Bon, c'est pas trop grave. Hein. Le principal, c'est que... on puisse faire vraiment la partie vraiment principale, parce que c'était un peu mou quand même, c'était long dans la grotte, hein. faut s'abrir. Et donc c'est la fin du chapitre, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Donc, chapitre 8, mettre les voiles. Grâce à l'aide inattendue d'Aranea, une commandante de l'armée impériale, les trois compagnons parviennent à trouver du mithril. Le groupe reçoit alors un message de Cindy qui leur demande d'apporter le minerai à Holly, une amie ingénieure de l'Estalum. Alors... Debout, petit prince. On y est. On y est. Ah bah voilà, nous voilà à l'Estalum. Merci, hein. Si tu crois que je vais te donner un pourboire, ma cocotte. On dirait qu'il y a un grave problème à la centrale. Mais nous, on ne peut pas intervenir sans ordre. Vous, par contre, vous êtes libre de le faire. Rien ne vous en empêche. Ok. Compte sur nous. Sur ce, soyez prudents.
Bah merci hein. Quelques heures plus tard. Ah oui, les salauds mais carrément dans la pénombre. Ah ouais. Mon cher Noct, cette tenue te va à ravir. Je te la donne si tu l'aimes tant. C'est la seule qu'on ait. Et pour les combats en solo, tu es le meilleur. Oublie ta dégaine et vas-y. Ok, petit boulot à la centrale. Vaincre le démon et stopper l'explosion des générateurs. Bon, je vais faire quelques petits réglages. Et après, je reviens. Donc, à tout de suite. Eh bien, re tout le monde, ça y est. J'ai fait les petits réglages, donc on va pouvoir attaquer enfin l'usine. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. Oui, je t'entends très cher. Merci infiniment d'avoir accepté d'exterminer ces démons. Je vais m'occuper de votre mitril pendant ce temps. Ah, bah cool. Fais-moi un beau bateau. Qui est entré un peu avant vous. Un chasseur ? Mais ils sont si nombreux qu'il s'en sortira pas seul. Un chasseur ? À deux, ça devrait aller. Est-ce que ce serait Gladio qui serait venu m'aider ? Oui, je dois te prévenir. Nos appareils indiquent que les démons ont touché au générateur. Ok. Il y a un risque que la centrale c'est ça, explose. C'est ça, chasseur. Oh, c'est toi le renfort. C'est hein? Gladio. Ouais. La voix. Ces saletés sont vraiment redoutables. Attends, c'est toi. Eh oui, je suis un chasseur, comme toi. Allez, suis-moi, essaie d'être prudent. C'est Gladio. Haha, mortel! Oh, attendez, j'ai vu ramasser. Non, ramasser. Armée d'argent. Ah, c'est mon petit Gladio, il est de retour. Ça va. On va se démerder. Et voilà. Prêt pour une petite baston? Oh oui. Ah bah oui, à l'épée, je l'ai reconnu tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce bestiole là? J'adore ta façon de combattre, c'est original. Presque comme un roi. Tu t'en sors pas mal, non? Tu serais pas entraîné un peu de ton côté? T'es bien. T'es mec qui charrie. Ah mortel, mon petit Gladio. Ah, ça me fait tellement plaisir de te voir. Les générateurs se chargent. Tout va bientôt exploser. Ah bon? Ah Fanny, je vais te faire un coup. Quoi? C'est quoi? C'est évident mon pote. C'est mieux avec toi? Bien, c'est parti. Vaincre tous les ennemis dans le temps imparti. Oh, et j'ai combien de temps? 5 minutes. Oh, ça va, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a largement le temps. Ah, là j'ai plus de peine. Bah voilà. J'ai même pas mis 30 secondes. Eh ben, tu fais pas les choses à moitié? Bah, comme d'habitude. Il faudra qu'on remette ça. Avec plaisir. Bon, on rentre. Ah bah disons que c'était court, hein, ces jours à la centrale. Quête achevée. Bah le chasseur, ah bah oui, juste déjà quand il voit l'XP, on voit tout de suite que c'est Gladio, ah évidemment, évidemment. Alors, pièce en mitril, ça y est, on l'a notre pièce. Allez, enlève ta tenue que je vois ta boubouille, mon Gladio. Quel travail fantastique. Je me suis occupé du mitril comme promis. Vous aussi, chasseur. Merci pour tout. De rien. Oh, Gladio! Alors, c'était toi le chasseur dont elle parlait. En chair et en os. Hey, il a une nouvelle cicatrice! Autant de vous revoir. Attends, c'est quoi ça? C'est nouveau, cette cicatrice? Elle est classe, non? Fais pas cette tête-là, je vais bien. Hey, il en a une sur le torse aussi? Noct, Gladio! Quel hasard! Iris! Salut, Dustin. T'es enfin de retour. Tu t'es excusé de les avoir laissés en plan? Disons qu'il s'est racheté en m'aidant à la centrale. À la centrale? Oh, le mitril est prêt, alors? Si c'est le cas, donnez-le-moi. Je vais le livrer à Sid. Je pars pour KM immédiatement. Vers un nouveau pays. Alors, vous serez reposé. Montez à bord du bateau
pour aller à KM. Fais voir tes cicatrices, toi. Eh non, mais attends, monsieur, là, on l'a fait la Renault Zero. Tu lui ressens de plus en plus, putain. Je me demande vraiment où vous avez trouvé du mithril aussi pur. Bah, on en a chié, qu'est-ce que tu crois? Ah là là, mon Gladio. Et est-ce que je peux leur mettre maintenant la nouvelle, la tenue unifugée? Ah, je peux pas. Oui, voilà, ça c'est ta tenue de base. Hein. T'as appris de nouveaux trucs ou pas? Non, on dirait pas. Épée brute, non, ça va, il a rien changé. Il a rien changé, ok, bon. Alors, en fait, on est toujours allé, on est à l'Estaloum là? J'ai rien à l'Estaloum moi? Non, je crois pas. Je pars pour KM immédiatement. Rejoignez-moi là-bas quand vous serez reposé. Ah ok, bon, d'accord. Et toi là, oh, tu peux pas nous amener directement? Majesté, content de vous voir en vie. Ouais. Bon bah je vais aller à KM, je fais un petit cut et on se retrouve là-bas. A tout de suite. Alors, les amis. Alors, j'ai fait un petit détour. Là, on n'est pas encore arrivé à KM. Mais j'ai fait un petit détour dans un donjon. Et disons que dans ce donjon que j'avais jamais fait, j'ai chopé vraiment beaucoup d'équipements et surtout beaucoup d'XP. Je vous laisse regarder. Juste pour Noctis, j'ai cumulé plus de 70 000 points d'expérience. Et j'aurais trouvé des armes incroyables telles que la Durandal, qui a une puissance d'attaque de 232 et qui inflige des dégâts super importants contre les démons. Et en fait, ce donjon, j'ai pas réussi à le finir parce qu'il est juste super trop compliqué. Alors pour ceux qui s'y connaissent, alors c'est celui-ci, c'est la tour de Kostelmark. Et franchement, j'y arrive pas. J'étais rendu à la fin, j'ai galéré, j'ai dû demander à Ramu de m'aider beaucoup de fois. Mais là, il n'en pouvait plus, le pauvre lui-même. Donc justement, on va aller voir lui, et il va nous donner XP x2. Donc c'est-à-dire plus de 100 000 points d'expérience pour Noctis et les autres. C'est juste fou. Et j'avais juste envie de vous montrer la progression des niveaux, parce que je me pense qu'on va facilement atteindre le niveau 55. Largement. Je suis resté 3 jours complets, jour et nuit, dans le donjon. Parce qu'en fait, le donjon était tellement compliqué que waouh, que ça m'a passionné et c'était tellement un défi incroyable. Et je suis resté 3 jours, c'est pour vous dire. Et là, franchement, je vais voir le niveau monter. Mais les gars, vous imaginez? Attendez, c'est fou là. On est niveau 49. Go. Wouh. Eh bah dis donc, 55. On est passé de niveau 49 au niveau 55. La plus belle progression que j'ai fait jusqu'à présent. Ah ouais, ah bah là dis donc, capacité de trouver parfois les super élixirs dans les combats. Oh là, franchement les gars, je suis super content. Bon, je vous retrouve tout de suite. On va tout de suite au AKM. A tout de suite. Enfin, on est arrivé au cap KM. Donc on va pouvoir retrouver Iris et avoir enfin le bateau, le fameux bateau qu'on va pouvoir aller dans le nouveau pays qu'ils disent. Alors est-ce que ce serait Alticia ou est-ce qu'on pourrait retourner à Insomnia ou quelque comme ça? Qu'est-ce qu'il y a, Iris? Oh, une nouvelle recette. Ok, super. J'ai hâte d'y goûter. Ouais, ce serait sympa sur si on a l'occasion. Mais d'abord, je veux voir ce bateau. J'espère que c'est un gros yacht machin en or plaqué. Ah, ce serait pas mal, hein. Mais peu probable. Je pense que c'est juste un vieux bout de bois là qui flotte. Et ça me ferait chier d'aller chercher du mithril, qui a un minerai vraiment extrêmement rare, pour juste un bout de bois. Ça me ferait quand même un tout petit peu chier. Donc on se rapproche. Voilà. Alors le viac. Non, t'as rien à faire. Bah je t'emmerde moi. Montez. Une fois parti, Noctis et ses compagnons ne pourront plus explorer le monde librement pendant quelques temps et les chocobos loués retourneront au relais. Partir pour Alticia.
Eh bah non, parce qu'on va s'arrêter ici. Je vois juste qu'il y a une quête ici, là. C'est derrière. Derrière le phare. Donc je vais aller vers la quête. Et ensuite, on va se quitter. Alors, c'est où? Le chat? Encore le chat? Mais t'es le chat qu'on avait vu à Galdina, toi. Ça, c'est incroyable. T'es venu jusqu'ici. Forcément, tu dois mourir de faim. Sauf qu'il n'y a pas de resto ici. Peut-être que quelqu'un s'y connaît en nourriture pour chat. Tu pourrais aller demander à Monica. Bonne idée. On m'a dit qu'elle avait plusieurs chats chez elle avant. Ah bon? Je savais pas que Monica aimait les chats. J'espère qu'on n'aura pas à retourner jusqu'à Galdina. Surtout que le chat s'est tapé tout le chemin jusqu'ici. Mais pourquoi il est venu celui-là? Pour voir son copain Nocte. Il fait chier. T'as intérêt à l'apprécier cette boîte. Elle vaut les yeux de la tête. Alors tu la dégustes. Ouais, je l'avais déjà acheté. Ouais, hey, 20 000. 20 000 G ce truc. T'es gentil avec les animaux, toi. Ouais, c'est vrai. Pourquoi tu n'es pas plus avec nous? Vous avez pas assez de poils. Hein? Putain, dans la flotte là. Miaou! Et hop, ça se met, ça coule. Donc hop, donc on va se quitter ici. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui le sont déjà, un grand merci et surtout partagez un maximum. Surtout, soyez fiers de ce que vous êtes car vous êtes des gamers. C'était Red Snow pour vous servir. À vous les studios.